Vous devriez me remercier. Je ne sais pas ce qui m'empêche de te pourfendre et de faire un collier avec tes tripes. Ah bah ça, bonne question. Sans doute la peur de se faire ridiculiser par un jeune jouvenceau. Mais je pense effectivement que le fait que je sois votre prince joue beaucoup dans votre choix. Allez, tu as mis joue. Et voici le grand Thorwald, la plus fine lame du royaume, le célèbre maître d'armes des soldats de la puissante armée du Ringstone. Mais aussi, la barrique qui ne s'épuise jamais, la fontaine à bière des plaines, la cave aux 1000 vins du Kempest. Eh oh, 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 hein, eh oh. Chacun ses petits défauts, hein, et tu ferais bien de t'occuper des tiens. Ta garde est lamentable. À la moindre attaque de pillard, je ne donne pas cher de ta peau. Et je te l'ai déjà dit 1000 fois, t'es trop sûr de toi. Il faut que tu gardes ta garde bien haut. Et encore, t'as de la chance de faire mouche à chaque coup, parce qu'à la moindre passe d'armes, tu pourras aller dire bonjour à tes ancêtres de ma part. Thorwald, qui sont ces hommes? Des adorateurs de Rachalden. J'en ai déjà observé quelques-uns ces dernières semaines. Ils se réunissent derrière la montagne, au pied du dôme. D'ailleurs, les villageois sont morts de trouille. Des bouseux qui agitent l'épouvantail des contes pour enfants. Mon père aura tôt fait de leur envoyer des troupes pour les ramener à la raison. Les autres royaumes guettent aussi ces agitations. Tout le monde est sur le qui-vive. Et que croyez-vous vraiment qu'il va se passer? Ouh, je suis Rachalden, le seigneur du chaos. Vous allez tous périr. Ne craignez rien, Thorwald. Il va rien se passer. Et au pire, je serai là pour vous protéger. Allons, mon cher maître, retournons au château. Le banquet nous attend. Bonjour mon vieux, vous allez bien? Et toi mon vieux brigand? Alors, toujours bon pied bon oeil? Ah, tu sais Thorwald, c'est quand je vois tout ça que je me dis, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire ne serait-ce que frémir le Ringstone? Nous avons tout ici, des armes, des femmes et à manger. Messire, le roi m'envoie vous dire qu'il vous attend. Vous prendrez place près du seigneur Gorek. Très bien, merci mon brave. Tiens pour ta peine. Charge me paraît bien pesante pour une aussi frêle créature. Et il hurlait comme une pucelle. Oui. L'ambassadeur Erosten du royaume du Kiermpès est là. Il désire s'entretenir avec vous. Il dit que c'est important. Ah, le Kiermpès. Mes amis! Désolé d'interrompre un aussi joyeux moment. Mais la diplomatie étant ce qu'elle est, je dois m'entretenir avec un impatient visiteur. Faites-le entrer. Messire l'ambassadeur Erosten du royaume du Kempest. Grand roi Lothar du Ringstone, je te remercie de m'accorder cette audience. Nul n'est sans ignorer que nos royaumes sont en froid depuis des décennies. Mais je viens ici en paix et sollicite l'alliance temporaire entre nos deux nations. Ah, tiens donc. Messire, l'heure est grave. Peut-être plus même que nous ne pouvons l'imaginer. Derrière les montagnes, les troupes de fanatiques se regroupent chaque jour davantage au pied du Dôme Maudit. Nos devins sont formels aussi. et nous craignons qu'un retour des troupes de Rachalden ne soit imminent. Si ces visions se confirment, alors les royaumes humains n'auront d'autre choix que de s'unir et de combattre à nouveau ensemble. Silence! Seigneur Erosten, du Champès, je suppose que de vos lointaines prairies, de vos lointaines contrées où il fait si bon vivre et respirer la fleur des champs, tout en sirotant un de vos bons vins dont vous avez le secret. Vous avez sans doute pu remarquer que ce dôme, cet antique dôme qui orne nos montagnes, se trouve à quelques pas à peine du Ringstone. Oui, messire, nous le savons bien sûr. Et c'est pourquoi nous pensons que votre royaume sera la première cible de ce fléau, et que vous aurez sûrement besoin de tous les renforts possibles pour résister. Quelle délicate attention de votre part. Mais si vous avez pu remarquer cela, vous avez sans doute pu remarquer aussi que nous ne nous sommes pas mis à hurler, à crier au loup, à aller pleurnicher de l'aide chez nos voisins. Savez-vous pourquoi? Messire, je ne voulais pas vous offenser, et en aucun cas... Parce qu'en Ringstone, nous possédons la plus grande armée humaine qu'il y ait sur cette terre, et les plus valeureux combattants qui aient pu être engendrés. Parce qu'en Ringstone, on ne tremble pas devant l'ennemi. On sait croiser le fer et ouvrir les entrailles de ceux qui s'attaquent à nos territoires. Parce qu'en Ringstone, on sait approcher la mort en face et lui dire « Kata, si tu veux de moi, prends garde à ceci. » Pour le Ringstone, on a la gloire ! Erosten du Champès. Des fillettes? Des lâches? Ou pire encore, des seigneurs du Champès. Ah, vous me faites pitié. Tenez, prenez ça, c'est pour vous. La part du pauvre. Partez! Et allez dire à votre suzerain que le Ringstone n'oublie jamais ses ennemis, qu'on n'achète pas son pardon, surtout pas en le traitant d'armée de pacotille. Morte. Les textes disent que... Oh, c'est une longue histoire qui d'ailleurs ne manque pas de mordant. Valeureux guerrier de Ringstone, le seigneur Rachalden va enfin se libérer et reconquérir ce monde. Il mettra enfin un terme aux joues des divers peuplades qui s'entredéchirent. L'armée du grand roi Rachalden va enfin se remettre en marche. Là où elle s'est arrêtée, où elle n'aurait jamais dû s'arrêter. Maintenant, vous avez le choix. Rejoindre la plus grande armée que l'on ait pu connaître, ou périr, comme périront ces piètres soldats du Kempest. Trahison, Rolotard! Vous saviez depuis le début! Ne menace pas notre seigneur, chien d'étranger! Mes fidèles vassaux, Vous qui m'avez tant servi jusque-là. Il est temps que vous compreniez quel magnifique destin s'apprête à vivre le Ringstone. Rachalden n'est pas notre ennemi. Il ne l'a jamais été. Ce sont les scélérats du Champès, s'alliant aux races cupides et vaniteuses telles les elfes qui ont toujours semé le trouble dans l'équilibre du monde. Il est temps pour nous tous qu'une nouvelle ère voie le jour. Celle où le Ringstone, mené par la main d'un dieu, dirigera le monde. Vous êtes complètement fou, Lothar. T'en es trop sérieux. Parfait, je vois que l'on sait toujours comment recevoir un Erosten. J'entends que vous n'oubliez pas qui est votre roi, où des têtes pourraient tomber. Capitaine! Oui, monseigneur. Formez des patrouilles et allez porter la nouvelle à nos citoyens. Et s'ils se rebellent, je compte sur vous pour ne pas manquer d'imagination pour les convaincre. Bien, monseigneur. Asseyez-vous. Musiciens! Venez, venez. Allez, jouez! Jouez, allez-y, allez-y! Que la fête continue, mes amis! Tu te demandes pourquoi tu nous es au courant de rien. Père, j'ai toujours considéré ces histoires comme des vieilles légendes. Les Kalmeril ont toujours obéi aux règles des incarnats. Mais Rachalden, le Dôme Maudit, tout ça fait partie d'une époque révolue. Il y a des légendes qui sont bien réelles. Notre famille est bien placée pour le savoir. Tu vas vivre un événement qu'aucun autre n'aura vécu avant nous. Tu vas vivre ce pourquoi tous nos ancêtres se sont sacrifiés.